La méditation de ce 1er juillet est intitulée « La triple union religieuse ». Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13 à 14. Par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi de Dieu, notre pays, les États-Unis d'Amérique, se séparera alors complètement de la justice. Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le principe, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera, par cet acte, cause commune avec la papauté. De cette façon, on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion de renforcer son despotisme intransigeant. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13 à 14. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.